Bonjour à toutes, me voici dans une vidéo haul AliExpress pour vous montrer un peu mes derniers achats. Je vais surtout vous parler de tout ce qui est gadgets et accessoires parce que c'est tout ce que j'ai acheté aucun vêtement. Sauf dans mon prochain haul AliExpress où ça va être quelques petits vêtements bébés et quelques objets pour la nurserie. Donc je vous montrerai ça dans mon prochain haul AliExpress. Du coup je commence tout de suite avec tout ce qui est accessoires et quelque chose dont on a entendu parler un peu partout. Je vais commencer par ceci. Donc c'est un ustensile pour nettoyer les pinceaux. Je le trouve très sympa, je le trouve plus pratique que sur la paume de main. Je pense pas que c'est le meilleur ustensile pour nettoyer les pinceaux, mais je pense qu'il est déjà beaucoup plus pratique que ma paume et du coup bah, j'en suis ravie pour le prix. Voilà, je le recommande. Après je pense qu'il y a d'autres... Il y a d'autres choses qui me font de l'œil sur AliExpress déjà aussi pour nettoyer les pinceaux et du coup je vous reparlerai peut-être d'un prochain ustensile pour nettoyer les pinceaux. Donc voilà pour ceci, je mettrai tous les prix et les liens en barre d'infos. Enfin tous les prix sur la vidéo et les liens en barre d'infos. Donc je continue entre guillemets, là c'était du make-up, enfin pas vraiment, mais du coup là je continue dans la même sorte de catégorie pour moi, bien sûr je précise, parce que je suis commandé ceci. Donc c'est une trousse Stitch, voilà, elle est toute douce, elle est peut-être pas très épaisse, ouais, c'est pas une trousse de toilette quoi déjà, mais moi je l'utilise pour mon maquillage de tous les jours et mon petit kit de survie. Voilà, donc à glisser dans son sac à main si on veut. Elle est déjà bien sale parce que j'ai déjà foutu du fond de teint dessus et du blush. Blush crème qui donc ne part pas très bien. Faudrait que je la lave déjà. Mais je la trouve trop mignonne. Je la trouve trop mignonne et toute douce et très pratique pour moi. Et du coup j'ai commandé sa copine. J'ai commandé une petite trousse Totoro. Elle est vraiment trop mignonne et parfaite et toute douce. Donc voilà pour les trousses, je les trouve vraiment super mignonnes et super pratiques. Et ça sera plus pour des stylos, etc. En parlant de stylos, j'ai commandé ceci. Donc ce sont des feutres. Je suis en train de les récupérer pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Ce sont des feutres à effet métallique. Enfin ce qu'il y avait écrit sur le site. Donc j'en ai, si je compte bien, à peu près 9, 10... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'en ai 12. Donc 12 petits feutres. Alors ils ont une petite pierre dessus que je trouve très mignonne, très girly et tout ça. Après j'avais pas vu sur le site qu'il y avait ça. Mais moi je me suis dit que ces couleurs là en métallique ça allait vraiment être super sympa. Surtout que ça je m'attendais à ce que ça soit du doré, vraiment de l'argenté, etc. Et je m'attendais vraiment, j'avais hâte de voir ce que ça pouvait donner. Et pour les couleurs, du coup, je vous ai fait un swatch, comme on fait pour le maquillage. Donc ça donne à peu près ceci. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a pas un véritable effet métallique. Donc je suis un peu déçue au niveau de l'effet, ça donne pas ce que je voulais. Je m'attendais à quelque chose comme les stylos de chez Cultura. Si j'arrive à sortir mon stylo, un truc un peu dans ce style-là et tout, avec un véritable effet métallique. Ouais, voilà, on voit vraiment qu'il y a un effet métallique. Je pense que vous verrez pas très bien, enfin moi je le vois très bien. Donc voilà, je m'attendais à un stylo comme ça où on peut écrire un peu partout avec. Et non, ce sont juste des feutres et je les trouve jolis. Ils ont peut-être un petit irisé pour certains, mais c'est tout, pas d'effet métallique. Voilà, et puis je suis un peu déçue de certaines couleurs. Par exemple, cette couleur-là, là, c'est ce feutre-là, quoi. Donc voilà, donc, cette couleur ici, là, c'est ce feutre-là. Pour l'autre rose, voilà, bon ça un peu plus sympa, mais je m'attendais à un rose un peu plus vif, pareil et tout, et puis voilà, je suis un peu déçue pour certaines couleurs. Je les trouve sympas, mignons, mais voilà, je pense que j'achèterai autre chose la prochaine fois, en effet métallique, je trouverai mieux, je pense. Pareil pour tout ce qui va être... on va continuer dans tout ce qui est trousse et tout ça, stylo. Ah bah tiens, ouais, je vais vous montrer celui-là. Je me suis commandé un petit cutter de précision. Donc je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, donc il y a un bouchon, ça c'est super pratique. Alors le cutter de précision c'est ça, et du coup il était fourni avec son bouchon et avec je dirais à peu près 6 lames, 6 petites lames qu'on range dans le petit truc. Donc voilà, je suis très contente, il fait très bien son job. Je dirais pas que c'est la meilleure des qualités, hein. J'en ai déjà eu des vrais qui coûtent un petit peu un bras, mais pour le prix je trouve qu'il fait très bien son travail. Voilà pour le stylo, je vais continuer un peu dans tout ce qui est loisirs créatifs. J'ai commandé un lot de masking tape, alors je les voyais aussi. Il y en a deux autres qui sont par terre, je viens de les faire tomber, un vert et un jaune. Et du coup je les trouve très sympas mais
un petit peu transparent et un petit peu fin, en fait, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir au niveau masking tape. Mais je me dis, pour accessoiriser, surtout plus dans mes notes, dans mes cahiers et tout ça, ça peut être sympa, plutôt que de faire des décos et tout ça avec. Je pense que ce sera plus dans mes notes et tout, pour mettre un petit rouleau pour séparer deux zones, etc. Donc ça sera très très bien dans ce contexte là. Et un autre rouleau que je me suis commandé, un autre rouleau de masking tape, je me suis commandé un rouleau brillant. Alors je sais pas si on va avoir quelque chose avec... Je mettrai peut-être une photo, parce que là c'est peut-être pas très parlant. Enfin voilà, il est tout pailleté, il est très joli, mais je trouve qu'il est pas très très adhésif comparé à d'autres rouleaux de masking tape. Donc voilà, je le recommanderais pas. Et puis pour le prix, je pense que je peux en trouver de meilleure qualité chez Action par exemple. Donc voilà pour le masking tape. Au niveau accessoires, encore un petit peu loisirs créatifs, je me suis commandé ceci. Donc ce sont des petits autocollants pour ardoise. Donc voilà, je les trouve très simples et très mignons. Franchement, pareil pour le prix, je me suis laissé tenter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 de 4. Donc voilà, franchement, que demander de plus. C'est vraiment très pratique. Et du coup, en plus, je m'étais acheté un stylo ardoise pour mettre sur mon bureau. Et puis c'est parfait. Donc voilà, un autre petit... petit truc que j'ai reçu, en plus il y a peu, c'est ceci. Alors je vais vous en montrer une qui est déjà ouverte. Ce sont des petites LED comme ceci, donc où il n'y a pas de fil ni rien, on les pose où on veut. Et du coup, je vais vous montrer ça. Hop, ça fait, et ce sont des rouges, on peut choisir, hein, il y a les lumières qu'on veut, et c'est des petites LED rouges. Là on a l'impression que c'est orange, mais c'est vraiment rouge rouge. Donc voilà, moi je trouve ça très sympa. Je pense que ça va être avec ma déco de Noël quelque part, dans une bougie ou dans des décos d'étoiles, etc. Enfin, je verrai comment je vais les utiliser. En tout cas, j'en suis très contente pour l'instant. Elle a l'air de bien fonctionner. Il y a la pile, il y a les piles dans chaque, et j'en ai eu... Alors attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ben voilà, 10. Donc voilà, 10 pour ce prix là, pour des LED qui ont l'air vraiment de bonne qualité pour une fois. Enfin pour une fois, pour l'instant j'ai vraiment été déçue d'AliExpress pour ma part. Donc voilà, je suis contente. Je vais attaquer sur tout ce qui va être gadget. Je me suis commandé ceci. Donc c'est une coque de téléphone bah, Monstre et Compagnie. Voilà, c'est celui-là, je la trouve trop belle. Voilà, moi les coques de téléphone, je pourrais en commander à chaque commande sur AliExpress. Je la trouve mignonne, simple, et puis voilà, le prix il est là et elle est trop mignonne. Donc voilà pour la coque. Je me suis commandé une autre coque. Alors attendez, est-ce qu'il faut que j'enlève ce que j'ai mis dedans? Voilà, donc c'est une coque toute simple en plastique. Je vais en recommander deux autres aussi pour faire peut-être des DIY dessus. Mais là, c'est juste pour mettre un... pour protéger son téléphone, et tu mets à peu près, tu fais un template, tu mets ce que tu veux comme image, et du coup t'as un petit peu ta coque personnalisée, et je trouve ça très sympa. Et pour le prix, je suis très contente de cette coque. Voilà. Pour continuer avec les gadgets, je me suis commandé ceci. Alors je sais pas si vous reconnaissez le personnage, tout le monde connaît pas d'ailleurs, je m'en suis aperçue, c'est Rilakkuma, c'est le petit ours, et ce sont juste des pinces à... Vous savez, pour les paquets de chips quand ils sont ouverts, donc voilà, on, hop, et on clipse pour les paquets de chips ou les paquets de bonbons ou autre. Enfin voilà, j'en ai reçu un lot de deux et j'en suis très contente. Voilà, on continue. Je me suis commandé des écouteurs, mais pas n'importe quel genre d'écouteurs. Je me suis commandé des écouteurs Batman. J'ai juste, voilà, j'ai cassé mes écouteurs et je me suis dit, quitte à prendre des écouteurs, autant qu'ils soient un petit peu fun. Alors les embouts, enfin les embouts, oui, voilà, les oreilles se retrouvent comme ceci. Voilà, c'est le petit logo. Voilà, donc elles sont bien, enfin elles sont vraiment très, très bien pour les oreilles. Et au bout, il y a ceci ici pour séparer les deux fils. Je les trouve vraiment très très bien. Pour l'instant, ils m'ont pas lâché. Et puis pour le prix, ils me lâcheront quand ils voudront. Ça coûte pas le prix d'un... des écouteurs de chez Apple, quoi. Et voilà, et du coup un dernier achat que je me suis fait. Alors je vais vous montrer, quelques-uns. Je vais vous montrer voilà, les, que je préfère. Je me suis commandé des petits personnages de Lego. Donc ils se présentent sur un socle.
Voilà, je me suis commandé un petit Batman, moi, par exemple, et tout, il se présente sur un socle. C'est pour exposer sur ma bibliothèque, j'ai toute une collection de BD Batman, et du coup, je mets ça un petit peu devant, c'est vraiment super sympa. Et pour le prix, pareil, je trouve qu'ils sont de bonne qualité, ils sont vraiment très sympas, je vous les montre un petit peu un par un. Donc voilà, là on a le pingouin, je sais pas si on va bien voir le pingouin. Donc voilà, bon, de toute façon je vous mettrai une photo de tous sur le truc, j'en ai encore, j'en ai 8 en fait pour le prix de, je dirais de 2 en temps normal, donc je suis vraiment très contente. Je vous les montre parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité, je trouve, ces petits persos. Voilà, Robin est trop mignon. Et Enigma, voilà, ouais, voilà. Il est trop mignon. Donc voilà pour mes gadgets. Ah si, je me suis commandé aussi un petit porte-clés Batman, donc du coup, c'était pour l'anniversaire de mon chéri. Je lui ai fait un petit gadget, je lui achète toujours un cadeau sympa et un petit gadget en plus. Et là, ce petit gadget, c'était le petit porte-clés. Donc voilà, il est tout simple, je le trouve très masculin, je le trouve pas trop... voilà, il avait rien d'extraordinaire, mais je voulais un truc très simple pour mon homme. Voilà, et un autre petit gadget, alors ça c'est pour moi, et c'est déjà sur mes clés, et c'est ceci. C'est quelque chose qu'on met sur les clés, donc c'est une petite tête de Stitch. Alors ma clé rentre pas dedans, mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il est en train de sortir la clé de sa bouche, mais bon, je m'en fous. Je me suis arrangée comme je pouvais, au moins, voilà, je le trouve mignon, et puis ça me permet de savoir où sont mes clés. Comment sont mes clés. voilà, et au niveau bijoux, je me suis pris un petit collier parce que j'avais craqué dessus sur le site, mais j'en suis un petit peu déçue pour deux choses. Alors je vous le montre, il est comme ceci, avec une chaîne dorée, et à la fin, il y a des pierres. Donc voilà, donc les pierres, et vous voyez que les pierres sont pas très bien... enfin, il faudrait que la chaîne soit un peu plus... enfin bref, il y en a une qui est trop longue comparée à l'autre, et inversement... donc il faudrait que j'essaye de rattraper ça, mais ça va pas être évident parce que voilà, normalement ça devrait être comme ça, et là je vous dis que la chaîne, si je le mets normal, ça fait ça, et du coup je suis un peu déçue. Et puis la couleur de la chaîne, elle est trop, elle est pas dorée, elle est jaune quoi, elle est jaune brillant, donc c'est un petit peu trop vif. Après je sais pas, si j'arrive à rattraper la chaîne, je le mettrai peut-être au moins une fois ou deux, mais par contre les pierres, moi je les trouve très belles quoi, donc voilà, pour le prix, je me suis dit, pour une fois, je craque sur un bijou avec des pierres. Et puis, on verra. Et puis, voilà, c'est tout pour ma commande de AliExpress au niveau des gadgets. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo, d'ici 2 jours, pour ma vidéo sur mon haul bébé, on va dire. J'ai pas acheté grand-chose, mais quelques petites choses, parce que, voilà... je pense que toutes les jeunes mamans savent que quand on est enceinte, on a envie de craquer sur tout. Et là, je me suis un petit peu limitée parce que sur AliExpress, tout me paraît génial. Mais comme on ne connaît pas la qualité, j'ai fait quelques essais. Et je vous dirai surtout ça quand le bébé sera là, pour vous dire si ça correspond bien. En tout cas, moi, pour l'instant, de vive vue, je suis très, très contente. Du coup, je vous retrouve dans cette prochaine vidéo et je vous dis à bientôt du coup. À bientôt !